Après plusieurs checkpoints et de longues routes désertes, la centrale nucléaire de Tchernobyl se dessine. Nous avons été autorisés à pénétrer dans la zone d'exclusion de la centrale au plus proche du réacteur numéro 4 à quelques centaines de mètres, c'est ce réacteur qui a explosé en 1986, désormais recouvert dans sarcophage, l'air n'est plus contaminé, c'est pour cela que nous ne portons pas d'équipement pour de courtes visites, un accès extrêmement rare ici d'autant plus en temps de guerre. Le 24 février dernier, les chars russes prennent d'assaut le site nucléaire. Pendant cinq semaines, ils occupent le bâtiment principal, mais aussi la forêt tout autour. C'est la forêt rouge qui tient son nom de la couleur des épines des arbres après la catastrophe nucléaire de 1986. C'est la partie la plus contaminée de Tchernobyl. Dans cette zone, où les sols sont chargés en radioactivité, le sable a été complètement retourné, au mépris des risques de radiation. Ce sont les tranchées et les positions qui ont été établies par les soldats russes au sol, et des restes de rations militaires, des vêtements, et les dernières traces de cette occupation russe ici sur le site de la centrale. Selon les employés, les soldats russes n'auraient jamais eu connaissance de la catastrophe nucléaire il y a 36 ans. Les autorités ukrainiennes affirment même que la présence ennemie a perturbé le fonctionnement de la centrale. Des variations de niveau de radioactivité ont été détectées pendant l'occupation, avant d'être jugées normaux par les experts. Tchernobyl reste sous haute surveillance car la menace plane toujours sur les quatre sites nucléaires du pays, dont celui de Zaporidja, qui est actuellement en main des Russes.